J'ai rêvé que l'on tombait d'un très grand abîme en voiture, et qu'en l'air, je me disais, ceci doit être un rêve. Mais c'était tellement réel que je me disais, non, tu es vraiment dans une voiture qui tombe. La voiture tomba dans une descente et réussit à bien atterrir. Cependant, la voiture continua à rouler très très vite. Le conducteur ne put freiner et nous tombâmes à nouveau dans un autre précipice. Mon matou, t'es chéri de mon cœur. Je suis triste, triste, très triste de nous avoir séparés pour quelques mois. Mais je sais bien qu'on saura survivre à ce temporaire éloignement et qu'on sera seulement doublement content de se retrouver. Mais comme tes yeux vont me manquer, et tes lèvres, et tes fessounettes, on a passé une année géniale ensemble. On est vraiment chanceux de s'être connus. Je t'aime. Roxane. Je suis venu à Paris pour faire un stage qui dure 2 mois. Roxane, que j'ai connue à Mexico il y a 1 an, est rentrée à Montréal pour finir ses études en relations internationales. J'espère la rejoindre en septembre et rester près d'elle jusqu'en décembre. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celles. C'est mon père qui m'a appris à prier. Parfois, je me retrouve à prier sans le vouloir. J'essaye d'arrêter, mais je ne peux pas. Les phrases reviennent sans arrêt, comme un réflexe. El sentimiento de soledad, nostalgia de un cuerpo del que fuimos arrancados, es nostalgia de espacio. El sentimiento de solitud, la nostalgia de un corps al que nos fuimos arrachés, y la nostalgia del ombligo del universo. Selon une conception très ancienne, qui se retrouve chez presque tous les peuples, cet espace n'est autre que le centre du monde, le nombril de l'univers. J'ai 2 passeports, le français et le mexicain. Avant, j'écrivais mon nom avec TH, Mathias, ou avec TI, Mathias. Jusqu'à ce que la bureaucratie m'oblige à choisir une façon d'écrire mon nom. J'ai finalement choisi Mathias. Ça fait 4 ou 5 ans que je vais à une dermatologue à cause de l'acné. Cet été, j'ai décidé d'abandonner. Je sens que les crèmes rendent ma peau accro. Je mets seulement le gel pour sécher les boutons. Mon frère, pour m'embêter, m'appelait le saucisson. Les premiers 7 ans de ma vie, je vivais 6 mois en France et 6 mois au Mexique. Une des choses qui me manquait le plus de la France, c'était la nourriture. Avant de venir en France, j'ai récupéré dans la bibliothèque de mon père ce livre écrit par Octavio Paz. Dans la première page, j'ai trouvé ces notes écrites par mon père
lors d'un retour en France il y a 3 ans. Je le recommence le 8 juillet 2000, en route entre Mexico et Aix, vers mon père défunt. À 2 ans de la mort d'Octavio, à 32 ans de la mort de Joseph Meyer, à 24 ans de la mort de nos grands-mères, à 18 ans de la mort de Genia, à 16 ans de la mort de Papa Toño, à 2 ans de la mort d'Armida. Les morts de mon père illustrent sa vie. Moitié français, moitié mexicain. Sur le titre du livre « El laberinto de la soledad », il a écrit « Palais des glaces » et « Ton image ». Ce qui est incroyable, c'est que je viens de finir un court-métrage dans lequel j'ai demandé à mon père de jouer le rôle principal. Sans le savoir, je l'ai fait tourner dans un décor qui est le Palais des Glaces, dont il ne m'avait jamais parlé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce hasard me paraît extrêmement beau et me rapproche en ce moment de mon père. Le groupe est la seule source de santé. Le solitaire est un malade, une branche morte qu'il faut couper et brûler, puisque la société même est mise en danger si l'un de ses composants est atteint par ce mal. Macoñero, comment estás? Bien, gracias. C'est mon nouvel ami, Leonardo, qui m'a montré ces images d'Indiens d'Amazonie. On essaie de produire les films tournés par les Indiens d'Amazonie. Nous les donnons des caméras, on les montre comment tourner des images. Et après, on les laisse tourner. Panoramique ou pas panoramique, c'est une question que je me pose sans arrêt et que les Indiens ne se posent même pas. Ils filment naturellement, avec leur cœur. Avant, je ne comprenais pas pourquoi les Indiens ne se laissaient pas prendre en photo, soi-disant parce que l'image leur volait leur âme. Maintenant, je me dis que si quelqu'un est dans une photo, c'est la preuve qu'il est mort. Mais aussi qu'il restera toujours vivant, grâce à nous et notre mémoire. Comment filmer les gens ? À ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais cette famille ne me voit pas. Parfois, je fais des images volées. Mais je préfère que les gens sache qu'ils sont filmés. En filmant ces écorces de platane, je pense à Roxane. Elle aussi a une écorce dans le bras. Son écorce a une forme de cœur. Moi aussi, j'ai des petites écorces dans le bas du dos. C'est Roxane qui me les a montrées.
Johan van der Keuken, dans un de ses textes théoriques, disait que la vraie spécificité de la photographie par rapport à la peinture est que la photographie a permis de faire des autoportraits avec les yeux fermés. Jamais un peintre ne pourrait obtenir une image réelle de lui avec les yeux fermés. On est obligé de se peindre en se regardant, mais avec les yeux fermés, on ne peut pas se voir.